Salut tout le monde! On continue sur les modes irlandais avec les chansons que pour l'instant on n'a pas encore détaillées. Alors je vais commencer par The Maid That Sold Her Barley. It's cold and raw, the north wind blow, black in the morning early. When all the hills were covered with snow, then it was winter fairly. As I was riding o'er the moor, I met a farmer's daughter. Her cherry cheeks and slow black hair, they caused me heart to falter. C'est notre quinte. Bon, on démarre sur le 4, ce qui est assez inhabituel. It's cold and raw, the north wind blow. It's cold and raw, the north wind blow. Black. Et c'est drôle parce que cette phrase numéro 1, elle finit par la septième mineure. On nous a déjà annoncé beaucoup de choses. Je vous la refais. 4, 5, 5, 4, 5, 3 mineurs, winds blow, black, 1, 7, 1, 4, 5, 5, 4, 5, 3, 1, 7, 1, black in the morning, early. Morning, na 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 na. On est passé par la quinte du bas et on n'a pas cité la sixte. On sait pas où elle est. En tout cas, pas dans cette partie-là. La deuxième phrase, the hills were covered with snow, then it was winter fairly, c'est exactement la même. Donc il n'y a pas de nouvelles notes qui apparaissent. As I was riding. 5, 7. On n'est toujours pas passé par 6. On sait toujours pas. As I was riding on the moor, I met a farmer's daughter. Toujours pas. Her cherry cheeks and slow black hair, they caused me heart to falter. Papa. Est-ce qu'on a du mac? Papa. Où est-ce qu'on a? Papa. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en éolien avec une sixte mineure ou est-ce qu'on est en dorien avec une sixte majeure? Eh bien, qu'est-ce qui va nous donner la réponse? C'est « Kind sir to sell me barley, 5, 6 mineurs » Et donc on a « Kind sir » une sixte mineure. Et donc, on est en éolien. Tierce mineure. Sixte mineure, septième mineure, tout est mineur. Ça, c'était pour The Maid That Sold Her Barley. Alors maintenant, on va sur The Rattling Bog, qu'on n'a encore jamais analysé ensemble. Et j'ai effacé la tierce, la sixte et la septième pour pouvoir reposer toutes les bonnes questions, pour savoir dans quel mode on est. Alors... Oh, row the rattling bog and the bog down in the valley, oh... Oh, row the rattling bog and the bog down in the valley, oh, rare bog and a rattling bog and a bog down in the valley, oh. Un, deux, trois. Well, in that bog there was a tree. On a eu bien une tierce majeure. Pa pa pa. Well, in 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 5, 3, 3, 1, 1. Pa 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 da pa pa da pa pa da pa pa da pa 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 pa. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a 6 et 7? C'est quoi? Est-ce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6? Oula, ça ne fait pas, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
on that tree, there was a limber, a limber, rattling limber, limber, on a tree, and a bug down in the valley, oh. Papa, papa, papa. Pour l'instant, la note la plus haute, c'est 5. On n'en sait rien. Alors, est-ce que la seconde voix pourrait nous répondre? Allô? La seconde voix? Ça veut dire que c'est Antoine et moi qui avons fait ce choix de mode quand on a écrit l'accompagnement et quand on a écrit les autres voix. On pourrait très bien considérer que a cappella, cette chanson, n'ayant pas de notes en haut pour nous dire ce que sont 6 et 7, c'est un pentatonique, c'est-à-dire qu'on n'a que 5 notes et on ignore, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire que c'est du majeur en bas, mais ça pourrait être du mixolydien en haut. D'accord? Bref, on va quand même aller écouter de cette seconde voix. Oh, row the rattling bog and the bog down in the valley. Oh, rare bog and the rattling bog, the bog down in the valley. Oh, valley. Oh, ba 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 ba. C'est pas ba ba, c'est ba ba. Ça, ça nous dit qu'on a une septième majeure. C'est pas oh row the rattling bug and the bug down in. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Cette sixth, elle arrive sur le mot down, sur la voix des sopranes. Oh row the rattling bug and the bug down in. 5, 6, 7, 8. Bug down in. 8, 6, 5. 3, 2, 1. Et donc c'est plié, Rattling Bog, c'est du majeur. Majeur, majeur. Rattling Bog, c'est du ionien. Allez, on plie. Et on va maintenant sur Rock the Machine. I'm losing willow. My hands are soft as cotton gloves. Machine has eaten up my jaw. My meaning, my cause. Pom 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 pom. My meaning, my cause. Da da. My meaning, I'm losing my cause. Un, deux, trois. Nous avons une tierce majeure. I'm losing willow, papa, willow, da da. Nous avons une sixte majeure, willow, la 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 la. My meaning, my cause. I shovel down Spencer's dock. I took you dear into wedlock. In you did a bear us a beautiful flock. We will rock the machine down on the docks. We will rock the machine until it stops. Alors la question c'est, est-ce qu'on a une septième majeure ou mineure? D'accord? Oh Lord, if you show me God. Est-ce que ça ferait? Na, 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 ou na, na, na. Et en fait, les deux notes sensibles dans cette chanson, ce sont celles que je viens de chanter. C'est le 2 et le 6 en dessous. Et à aucun moment, dans aucune des voix, la septième ne sera explicite. On ne la dira jamais. Et dans la guitare, on ne la dira jamais non plus. C'est donc une chanson à laquelle il manque une note
Et c'est cette absence qui va faire que ce mode, qui devient presque un mode en lui-même, puisqu'il manque une note, il est hexatonique, il n'a pas 7 notes, il en a que 6. C'est cette absence qui va faire que la chanson devient lancinante. Dans les modes classiques, on ne lui donne pas de nom, d'accord ? Il pourrait avoir un nom avec des typologies très contemporaines qui ont été faites récemment, notamment dans la musique française. Traditionnel, mais en tout cas en musique irlandaise, il n'a pas de nom spécifique, d'accord ? C'est un mode majeur, c'est un éolien ou un mixolydien, on n'en sait rien puisque la septième n'est pas dite, c'est un mode majeur, et il n'a pas de septième, voilà, pff, c'est terminé, c'est comme ça, il n'a pas de septième. Alors maintenant, une qui va utiliser le même bourdon, c'est-à-dire la même quinte, mais pas le même mode, vous allez le voir, Rock the Machine, c'est Face First. Face first on the countertop, on his way towards the wild sea, and on his back a press gang did hop, wet his lips falling down and down. Na, 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 na. Face first up, 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 up. Papa va chercher la carte. Face first on the countertop. Papa, papa. Pour l'instant, on ne sait pas où est la tierce. On his way. Ah bah là, on nous dit 7, 6, 5. Mineur. On his way. Sixth mineur. On his 7, 6, 5. 1, 5, 6, 7. 8, 7, 6, 5. Il y a quand même de fortes chances qu'on soit dans un mineur éolien, tout ce qu'il y a de plus mineur. Alors, elle est où cette tierce? And on his back a press gang did hop, did hop. Ba ba ba, 1, 2, 3, did hop, 3, 2. And on his back a press gang did hop, wet his leaves falling down and down, down, down. Répète la septième mineure. Alors, je vais vous sortir la tierce mineure dans le bourdon. Face first on the countertop, on his way towards the wide sea, and on his back a press gang did hop, and wet his lips falling down and down. Elle n'est pas présente souvent, cette tierce mineure. Ce qui fait que le côté mineur de la chanson va beaucoup plus reposer sur 6 et 7 que sur 3. Et ça va amener un côté un peu quand même lumineux parce qu'on va beaucoup chanter dans le haut du mode, entre la quinte et l'octave du haut, hein, entre 5, 6, 7 et 1 en haut. Et c'est ça qui va faire la tension dans cette chanson. On ne va pas rester près de 1, 2, 3 tout le temps. On va être beaucoup là-haut. 4, 5, 6, 7, 8. Good. Ça, c'est fait. On est en éolien de base. Alors, il nous reste Sweet Comedy, qui est une chanson de marin, et Punk Urban, qui est une compo de ma part, dans laquelle j'ai mis des pièges. On va commencer par Sweet Comedy. Hein? There was a ship sailed from the North Country, and the name of the ship was the Sweet Comedy. She was built of the pine and the bay oak tree, and she sailed on the lowlands, lowlands, and she sailed on the lowlands, low,
Lowlands, low, pa, 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 pa. Bah déjà, on a la quinte de base. Pa, 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 ding, dang, dong. Voilà notre quinte. There was, bah on démarre par la quinte. There was a she, pa, 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 pa. Pa, pa, pa. On a une tierce majeure. Eh ben, elle est déjà notée. Pa, pa, there was a ship sailed from the north country. And the name, pa, pa, and the name of the ship was the Sweet Comedy. Sweet Comedy, c'est pas sweet. Comedy, sweet comedy. On a une sixte majeure. Alors, il nous restera une seule question, c'est où est la septième? Sweet comedy. On the lowlands, lowlands. And we sailed on the lowlands, lowlands. Alors, elle est où cette septième? Est-ce qu'elle serait pas un petit peu planquée quelque part et très rarement citée? Ou est-ce que c'est le même coup que Rock the Machine et il nous manque une note? Alors, je repars du début, on va la chercher. There was a ship sailed from the north country and the name of the ship was the Sweet Comedy. She was built all the pine, all the pine, all En fait, c'est plus une note ornementale que réellement une note importante dans la gamme, dans ce mode-là. She was built on the pine and the bay oak tree, and she sailed on the lowlands, lowlands, and she sailed on the lowlands, low, and she sailed on the lowlands, low. And she sailed on the lowlands, low. On entend bien que ça soit en haut ou en bas, pour le 1 du bas ou pour le 1 du haut, c'est bien la septième majeure qui est présente et il n'y a pas d'ambiguïté possible. C'est une note ornementale, on est en ionien, majeur, majeur, majeur. Allez, on passe à Pengerban. Quinte, mais on sent tout de suite que c'est mineur, non? On est en si, mais on a démarré sur un sol. Sol, c'est la sixte mineure de si. Je réefface si je trouve l'éponge. J'enlève tout. Je casse à la maison. Elle est là. Pa 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 pa. Et là, on a la tierce qui va apparaître. This a merry task to see, da 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 da, at our work how glad are we, da 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 da.
si doré, notre tierce mineur. Et elle a une sixte mineure. Donc, il est très, 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 très probable, parce qu'on n'a pas d'autre choix en mode irlandais que la septième soit mineure également. Et on va aller la chercher. Et on va la trouver, en fait, dès le début. I ain't paying about my cat. I ain't paying 6, 7, 8. I ain't paying about my cat. Ta-da. Tis a welcome task we're at. Tis a well, 8, 8, 7, 6, 5. 6, 4, 6, 5. Et en fait, tout est dit dès la première phrase, dès même les 5 premières notes, 5 premières syllabes. I, 6, and pen, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. Je vais repartir avec la notation des 1. 6, 7, 1, 2, 3, 2, 1. 6, 7, 3, 2, 1, 2, 1. J'ai annoncé les trois notes sensibles de mon mode, qui sera donc un mode éolien, mineur, pur, tout est mineur. I am paying about my cat, is a welcome task we're at. Hunting mice is his delight, hunting words I sit all night. Better far than praise of men, is to sit with book and pen. Panger hears me no ill will, he to plies his simple skill. Et ben voilà, on a fait le tour de toutes nos chansons. Et si ma mémoire est bonne, on en a 4 en majeur. Majeur ionien, aucune en mixolydien, on en a 3 en mineur pur et une qui alterne entre le dorien et l'éolien. À vous maintenant de tout retrouver en rechantant vos voix et en essayant de bien entendre encore ces notes sensibles entre les modes, ces notes qui changent. Good work, see you soon.